Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition, les titres. Le vote des représentants de la presse béninoise à La Hague s'est tenu ce 9 juin et selon les premiers résultats dans la catégorie presse écrite, Basile Thibosso tire son épingle du jeu face à Franck Potiemé, des précisions dans ce journal. L'examen national du BEPC session de juin 2024 démarre ce lundi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. Et à la veille de cet examen, le ministre Ishabi Kouaro s'adresse aux candidats. Le Niger a réagi suite à l'arrestation de ses ressortissants au Bénin. Dans une note rendue publique ce samedi 8 juin, le CNSP accuse le Bénin d'entraver l'exploitation normale du pipeline entre les deux pays. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromédé, à Kpakpa, à Boumekalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline. ESAE Gbedjromédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. Les professionnels des médias du Bénin, journalistes et techniciens ont voté ce 9 juin 2024 pour choisir leurs représentants devant siéger au sein de la HAC, et ceci en cohérence avec le processus électoral lancé en mars dernier. Les professionnels des médias sont classés en trois catégories, presse écrite, audiovisuelle et les techniciens des télécommunications. Chaque spécialité désigne un délégué parmi les candidats en liste pour siéger à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il faut préciser que les représentants des médias après leur élection seront nommés par décret pris en Conseil des ministres. La nouvelle mandature de l'institution devrait entrer en fonction en juillet prochain pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. En attendant la centralisation et la proclamation des résultats, Basile Thibosso, candidat dans la catégorie presse écrite, l'emporte déjà haut les mains selon les grandes tendances sur les challengers. Et le conseiller sortant, Franck Potiemé et Brice Ogoubi. Michel Aouno, directeur de communication du candidat Thibosso, donne les détails des résultats dans la catégorie presse écrite et confirme la victoire de son candidat au micro de ZAETV. Ici à Cotonou, vous savez, c'est Cotonou regorge un grand nombre de professionnels des médias qui sont électeurs. Et donc ici, la bataille a eu lieu entre deux conseillers, le conseiller sortant et le candidat Basile Thibosso. Là, il y a deux voix de différence, Basile Thibosso 96, Franck Potiemé 98. Les deux voix ont été avalées par la différence importante que le candidat Basile Thibosso a eu à faire à Porto-Nouveau. 43 voix contre 18 voix pour Franck Potiemé. Donc la différence de 25 voix constitue un des cas importants que le candidat Franck Potiemé n'a pas pu combler sur le reste du territoire national. Parce que pour ce qui concerne la catégorie presse écrite, c'est les grandes villes, là, Porto-Nouveau, Cotonou, Abomey-Calavi et dans une certaine mesure un peu Parakou qui constituent les grands pôles. Et donc voilà les résultats. Nous avons noté quelques couacs, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Je pense que la HAC et la Sénat vont pouvoir faire un atelier d'évaluation du tout le processus. Et en son temps, nous aurons à nous prononcer sur les couacs et les mal-donnes que nous avons notés de part et d'autre.
Mais pour le moment, nous remercions les électeurs, l'ensemble des professionnels des médias et pour avoir porté leur choix dans la catégorie presse écrite sur le candidat Basile Tshibozo qui vient d'être élu conseiller pour siéger à la HAC 7e mandature. Le mot d'ordre, c'est quoi? C'est que nous avons demandé partout sur l'ensemble du territoire, nous avons fait le tour du Bénin pour aller demander aux professionnels des médias, les journalistes de la catégorie presse écrite, les photojournalistes, les caricaturistes, les autres corps de métier, les graphistes, de voter pour le candidat Basile Tshibozo par rapport à ce qu'il a prévu dans son projet de mandature et ce qu'il entend venir faire à la HAC en collaboration avec les autres conseillers. Et je pense que notre message a été entendu. C'est vrai que le combat a été très dur, mais nous l'avons emporté. Et si nous l'avons emporté, ça veut dire que la voix de la majorité a parlé. Et nous voulons profiter pour remercier l'ensemble des électeurs, ceux qui ont voté pour nous et ceux qui n'ont pas voté pour nous aussi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que les autres n'ont pas voté pour nous qu'ils ne sont plus professeurs des médias. Donc, Basile Tshibozo est élu conseiller pour saisir la HAC 7e mandature au nom de la catégorie presse écrite pour parler au nom de l'ensemble des acteurs des médias. Parlons toujours des résultats de l'élection des représentants des médias de la HAC. Voici les résultats de la catégorie presse écrite. À Lokosa, Basile Tshibozo a 4 points contre Franck Potchemé qui en a obtenu 6. À Porto Novo, Tshibozo obtient 43 contre Potchemé qui obtient 18. À Koubé, 4 points de Basile Tshibozo contre 4 de Franck Potchemé à Alada. À Alada, 3 points remportés par Basile Tshibozo contre 4 de Potchemé. À Aplahoué, Basile Tshibozo a 1 point contre Franck Potchemé qui en remporte 3. À Parakou, Tshibozo a 8 points contre 10 points de Franck Potchemé. À Calavi, Tshibozo obtient 43 points contre les 41 points de Franck Potchemé. À Abomey, c'est Tshibozo qui a 3 points contre Franck Potchemé qui a 11 points. À Cotonou, Tshibozo obtient 96 points contre Franck Potchemé qui en obtient 98. À Kandi, Tshibozo obtient 0 point contre Franck Potchemé qui en obtient 4. À Dassa, Tshibozo obtient 1 point tout comme Potchemé qui obtient 1 point également. À Djougou, Tshibozo obtient 1 point contre Potchemé. À Natitengu, Tshibozo obtient 3 points contre Potchemé qui en obtient 1. Au total, 210 points pour Basile Tshibozo contre 202 points Basile Tshibozo obtient 210 points contre Franck Potchemé qui en obtient 202. Carnet noir dans cette édition. Moufidat Adjoké Gbadamassi, membre du Parti Union Progressiste, le Renouveau a tiré sa révérence ce 8 juin 2024. Le parti, à travers un communiqué, a annoncé son décès, lui rendant un hommage vibrant au passage. Moufidat Adjoké Gbadamassi était une militante dévouée à la cause du parti et membre du bureau politique. En tant que elle a toujours œuvré avec dévouement à la promotion et à la défense des idéaux du parti. Elle laisse un immense vide dans le parti en le privant de ses précieuses contributions, a témoigné l'UP Le Renouveau ce week-end. Le parti a présenté également ses sincères condoléances à la famille éplorée et à la coordination départementale du plateau ainsi qu'à la coordination communale de Koubé. Il faut rappeler que Moufidat Gbadamassi était ancienne journaliste à l'ORTB. À quelques heures du démarrage de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2024, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabikoaro, a adressé un message empreint de confiance et d'encouragement à tous les candidats. À l'occasion, le ministre a rappelé aux élèves, les innovations du BEPC. C'est la fin du BEPC modèle court et modèle long. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique. Ceci offre plus d'ouverture à tous nos enfants dans le continuum de l'éducation allant du second cycle de l'enseignement du second degré à l'université, a déclaré le ministre. Ainsi, il a
Il a fait savoir que la session de l'examen du BEPC de cette année, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines enseignées et les épreuves orales ne concerneront uniquement que la discipline anglaise pour les candidats admissibles. Yves Chabikouaro a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux candidats. Il a également fait des recommandations aux parents d'élèves, aux chefs de centre surveillants de salle, superviseurs et autres agents impliqués dans le déroulement de cet examen pour son bon déroulement. Le certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024, a démarré sur toute l'étendue du territoire le lundi 3 juin dernier et a pris fin le mercredi qui a suivi. Une équipe de ZAETV a été vivre l'ambiance de la fin de composition au centre de composition complexe scolaire Siquet Sud. Suivons ensemble. Cette ambiance qui règne au centre de composition du complexe scolaire Siquet Sud, groupe ABCD, marque la fin du démarrage du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024. Pendant 3 jours, les candidats ont affronté diverses épreuves. Le lundi, nous avons fait lecture, expression écrite, EST, avec oral. Le mardi, nous avons fait ES avec oral dessin. Aujourd'hui, on a fait le sport. On nous a demandé lancer de balle et endurance. Ça s'est très bien passé. Certains parmi eux projettent déjà leur réussite. Oui, je serai admis. Je pense que je serai admis. Je pense que je serai admis cette année au CEP. Je pense que je serai admis au CEP. Place désormais à la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC qui démarre le lundi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. Le procureur de la Criette, Mario Metonou, a annoncé l'arrestation de 5 Nigériens qui se sont frauduleusement introduits sur le site du terminal pétrolier de Semekboudi. Selon la déclaration du 6 juin, il est reproché à ces derniers d'avoir emprunté une entrée dérobée située à l'arrière du terminal pour accéder au site. Voici un extrait des propos du procureur Metonou au micro de Canal 3 Bénin. Cet accord qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. L'article 29.6 de l'accord prévoit que l'État béninois autorise les autorités publiques nigériennes à accéder au compteur du terminal si, dans le terminal de la société WAPCO Bénin, à Semekboudi, le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Semekboudi. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires.
pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et préciser qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. À l'étape actuelle, l'enquête a formellement établi qu'au moins deux parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Lors d'un communiqué du CNSP lu à la télévision ce samedi 8 juin 2024, le porte-parole du régime militaire nigérien a sévèrement critiqué les actions du Bénin, du président béninois Patrice Talon, l'accusant de vouloir pousser le Niger à la faute à travers de multiples violations d'accords bilatéraux et d'actions hostiles affectant le transport du pétrole nigérien. À l'en croire, le Bénin a violé plusieurs termes des accords relatifs à l'exploitation signés entre les diverses parties. Le régime nigérien estime que ses ressortissants arrêtés au Bénin sont pris en otage et entend tout mettre en œuvre pour obtenir leur libération. Le CNSP invite les autorités béninoises à respecter les contrats signés dans le cadre du transit du pétrole nigérien destiné aux partenaires chinois. À Séoul, capitale de la Corée du Sud, s'est tenu le sommet Corée-Afrique le 4 juin dernier. La rencontre a connu la participation de plusieurs chefs d'État africains et de chefs des organisations internationales. L'objectif visé est de renforcer les liens entre les pays africains et la Corée du Sud. Représentant le Bénin, la vice-présidente Mariam Chabitalata Sime Yerima a entre autres présenté le Bénin. Voici un extrait de sa présentation sur ETL Bénin. En moins d'un siècle, le pays est passé du sous-développement au développement et à la prospérité. Ce changement de statut ne s'est pas opéré ex nihilo. Il est le résultat de la synergie d'action de leaders politiques visionnaires, engagés et déterminés, de responsables d'entreprises ambitieux, audacieux et passionnés, et du peuple coréen très motivé et volontariste, avec un système éducatif exceptionnellement performant et l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant debout, la Corée, à son tour, entreprend de tendre la main à l'Afrique pour l'aider à se lever, à se relever elle aussi, à travers un partenariat solidaire et soucieux de l'avenir de toute l'humanité. Elle a compris, la Corée, que l'Afrique n'a pas besoin de charité sporadique, mais d'accompagnement. Nous la remercions pour cette grande et noble attention aux autres, ce sens élevé du devoir, d'assistance mutuelle et d'entraide. Mesdames et messieurs, notre continent, qui aujourd'hui plus que par le passé, est en proie à la pauvreté, la famine, l'insécurité, l'instabilité politique, la gouvernance dévoyée, les conflits et autres maux, dans un monde où le multilatéralisme devient une nécessité, a besoin d'une telle aide. Après de nombreuses tentatives infructueuses et non concluantes d'aide ponctuelle au développement, un changement de paradigme s'impose. Mon pays, le Bénin, est prêt à construire avec d'autres pays du continent et avec la Corée cet avenir commun. C'est pourquoi nous vous invitons d'ores et déjà à nous visiter afin de découvrir les atouts et opportunités dont notre pays regorge. De plus, le Bénin a procédé à d'importantes réformes politiques, institutionnelles et économiques visant à garantir la sécurité des investissements directs étrangers ces dernières années. De notre côté,
nous savons dans quel domaine nous brûlons d'impatience de cheminer avec la Corée. Ce qui particularise le monde actuel, c'est la communauté de destin des peuples. Cette communauté de destin nous oblige à ne pas rester indifférents à la misère des autres, car leur chute entraînera la nôtre. Les agents du CNSR, Centre national de sécurité routière, ont effectué une descente aux alentours des centres d'examen le lundi 3 juin dernier pour une opération d'aide aux candidats pour la traversée des routes. Cette initiative est prévue pour durer 3 semaines. Le reportage est signé ESAE TV. Zéro accident des candidats aux différents examens. C'est l'objectif visé par le Centre national de sécurité routière, CNSR. À cet effet, plusieurs équipes ont été dépêchées à proximité des centres d'examen pour aider les enfants à traverser et pour sensibiliser les usagers à rouler à vitesse réduite. Vous saviez très bien que le gouvernement du Bénin a travaillé à impacter positivement l'environnement routier à travers les travaux d'asphaltage dans la plupart de nos grandes villes. Nous avions compris qu'il faut anticiper parce que la traversée pour les enfants, pour avoir accès au centre d'examen, va se retrouver être plus compliquée. Nous avions demandé que le zonage soit fait et que dans les départements où nous avions identifié les collèges, les écoles à risque, nous puissions quand même faire le jalonnement. Le jalonnement pour assister les parents, pour assister les enfants, surtout les petits-enfants. Nous avions les heures de pointe, c'est-à-dire les matins très tôt, déjà à partir de 6h30, 7h, ça dépend des examens, si c'est le baccalauréat, parce que ce que nous sommes en train de faire, ça prendrait en compte le CEPE, le BEPC et le bac. Ça veut dire que pendant les 3 semaines d'affilée, nous resterons ensemble avec les ONG très mobilisés sur le terrain. Les organisations non gouvernementales n'ont pas manqué d'accompagner cette noble initiative du CNSR. Les ONG sont venues appuyer le CNSR pour pouvoir faciliter la circulation aux enfants qui iront composer pour le CEP, le BEPC et puis le BAC. Par cette action, le Centre national de sécurité routière réaffirme son engagement d'œuvrer pour la sécurité sur les routes. Le Bénin fait désormais partie des États membres du Conseil d'administration du Bureau international du travail, BIT, et ce pour la période 2024-2027. C'est au terme d'une élection tenue vendredi 7 juin 2024 à Genève. Cette élection au premier tour selon un communiqué conjoint du ministre du Travail, de la Fonction publique et du ministre des Affaires étrangères représente une reconnaissance de l'engagement du Bénin pour la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions des travailleurs. Des manifestants de violence électorale de 2021 au Bénin ont retrouvé leur liberté. 6 parmi ces derniers ont fini de purger leur sentence de 38 mois de prison ferme prononcée à leur encontre par le juge de la Criette. Ces prévenus ont été arrêtés en avril 2021 dans leur manifestation contre la prolongation du mandat du président de la République. Et parmi eux figure Thibault Ogou, un ex-gendarme devenu activiste politique, désormais libre de ses mouvements depuis le vendredi dernier, et ce après avoir purgé sa peine assortie d'une amende de 2 millions de francs CFA selon l'accusation. Il aurait été identifié dans les manifestations qui ont suivi l'assassinat d'un policier dans sa cabine au poste de l'Étoile Rouge, des accusations que le prévenu a rejetées tout au long de son procès. Construits dans le cadre du programme d'action du gouvernement, les marchés modernes seront fonctionnels dès le 15 juin prochain, selon un programme communiqué par la ministre de l'Industrie et du Commerce le 4 juin dernier. Des citoyens ont réagi par rapport à cette annonce au micro de ESAE TV. Construits dans plusieurs villes du Bénin, les nouveaux marchés modernes érigés par le gouvernement seront bientôt inaugurés. Shadia Alimato Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, annonçait mardi dernier la date du 15 pour l'ouverture du premier cadre. Une annonce qui réjouit les citoyens de la capitale économique du Bénin. Nous avons dit que nous avons
Cette initiative vient, selon eux, résoudre un problème lié à la gestion des espaces divers dans les infrastructures marchandes déjà existantes. Nous en avons vraiment besoin. Ceux qui sont déjà construits là, nous sommes vraiment fiers de ça parce que, vous savez, les marchés sont bien construits et aussi là où il faut garer les voitures, c'est-à-dire les parkings sont bien organisés, donc c'est vraiment appréciable. Occasion pour les citoyens de la ville de Cotonou d'inviter les futurs occupants à la discipline. Si le gouvernement peut encore faire d'autres marchés, pourquoi pas, la population sera contente. Il faut le notifier, la ministre a également annoncé qu'un deuxième marché sera opérationnel 2 semaines après le premier. La Tabaski, également appelée Aïd el-Kébir, est célébrée 2 mois et 10 jours après le Ramadan par les fidèles musulmans. Elle commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu qui lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël en 2024. Cette fête aura lieu le 16 juin prochain selon la Cour suprême de l'Arabie saoudite. L'annonce de cette date a été faite après le début du mois de Dhul Hijja. Et ainsi, la journée d'Arafat est prévue pour le 15 juin. Suivi le lendemain de la fête de la Tabaski le 16 juin 2024. Passons à présent aux informations hors de nos frontières. À Madagascar, la publication des résultats provisoires des législatives est reportée à mardi prochain. La CENI a annoncé suspendre la publication des tendances qu'elle effectuait quotidiennement sur sa page Facebook jusqu'à la date prévue mais reportée. Ces changements de dernière minute viennent s'ajouter à la tension dans un contexte post-électoral déjà électrique. Et de son côté, le Premier ministre a prévenu d'une tolérance zéro contre tout fauteur de troubles. Le Premier ministre indien Narendra Modi a prêté serment ce dimanche 9 juin 2024 pour un troisième mandat accompagné de responsables de son parti nationaliste hindou et de dirigeants de ses partenaires dans la coalition. Modi s'est engagé au cours de cette cérémonie de prestation de serment à protéger la constitution indienne. Mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bon début de semaine.